Dépêche-toi, tu n'as plus que 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Si toi aussi, tu vas avoir le skin Aquaman gratuitement dans ton casier Fortnite à ta place, je prendrais vraiment pas les risques. Hey, eh bien, salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, j'ai vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui, on va simplement parler de conduire des voitures sur Fortnite Battle Royale. Avant de commencer le sujet de la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Allez, excusez-moi, avec la cloche de notification, ça va faire vraiment super plaisir. Comme d'habitude, de lâcher un petit like sur cette vidéo, voilà. Petit pouce bleu pour atteindre l'objectif de 350 pouces bleus sur cette vidéo. Voilà les potes, je compte vraiment sur vous pour te lâcher un petit like sur cette vidéo. Et voilà, comme d'habitude, le code créateur Fintex BE dans la boutique Fortnite. Voilà, on a changé de code créateur, maintenant c'est Fintex BE dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Du coup, comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on va simplement Fortnite conduire des voitures en saison 3. Du coup, on se retrouve tout simplement avec le sujet de la vidéo. Allez, c'est parti. Paru brièvement dans le trailer du pass de combat, les voitures pourraient bien être les prochains véhicules utilisables dans le Battle Royale. La fonctionnalité devra se débloquer au fil de la saison 3 du chapitre 2. Comme vous l'aurez tous déjà vu, on a déjà vu tout simplement des véhicules dans le trailer du pass de combat saison 3. Voilà, avec les véhicules, on a vu tout simplement un camion, beaucoup de voitures. Pour les gens qui n'ont pas encore vu, l'affiche aussi ici en gameplay pour voir que ça donne. Voilà, que ça donne vraiment super bien. Conduire sur la carte de Fortnite, c'est vraiment un truc de malade. Les voitures seront à priorité. Pilotable très prochainement sur Fortnite durant le trailer du pass de combat de cette saison 3, on a vu en effet pu voir les engins être conduits par les joueurs. Epic Games nous a habitués à piloter toutes sortes d'engins motorisés, hélicoptères, bateaux, ex-armures, robotiques, avions, mais jamais nous avons vu pu poser les mains sur un volant. Il est maintenant encore d'aujourd'hui impossible de faire démarrer une voiture. Celles-ci sont pour l'instant condamnées à être le réservoir de métal immobile. On notera d'ailleurs que cette fonctionnalité sont beaucoup moins nombreuses sur la carte à cause de l'inondation. Le premier aperçu des voitures pilotables sur le trailer montre qu'on a les gros véhicules comme les pick-up ou les camionnettes que pour avoir des passagers capables d'utiliser leur arme ou mettre même leur titre sur le canon motorisé. Si j'aimerais tout simplement vous faire part de cette news-là, Fortnite ont retiré toutes les voitures de police qui a tout simplement à disponibilité sur la carte de Fortnite, comme vous le savez tous maintenant. Il est plus possible de voir des véhicules de police sur la carte de Fortnite Battle Royale, simplement parce que Epic Games soutiennent vraiment, voilà, la manifestation. Voilà, je pense que tout le monde est déjà assez au courant des manifestations qu'il a pu voir vraiment aux États-Unis, etc. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, comme d'habitude, c'était Fintex. En tout cas, vraiment, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, petit like, petit commentaire, voilà, ça fait vraiment plaisir. Code créateur Fintex dans la boutique Fortnite, c'était Fintex. En tout cas, vraiment, j'espère que cette petite vidéo news vous aura plu. Allez, ciao tout le monde.